Et salut tout le monde, c'est Yves et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel trickshot sur Black Ops 2. Donc je vais vous apprendre à faire le tactical knife flip sur Black Ops 2 alors qu'il n'était plus là. Enfin il n'était plus là, il n'était pas présent sur Modern Warfare 3, mais il est bien de retour sur Black Ops 2. Bien sûr ce n'est pas la même chose, on ne peut pas le faire à l'infini comme avant. Et ce n'est plus avec le pistolet. Donc il vous faut une classe. Donc voilà la classe. Il vous faut un sniper, bien sûr, le joker surarmement pour pouvoir mettre le bouclier. Voilà le bouclier d'assaut. N'importe quel atout à part main lest pour être plus rapide sur le switch. Une mortelle Semtex si vous voulez rajouter du. Je sais pas, un mouvement ou quoi. Bon, bref, vous faites ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer. Donc pour ce faire, il faut planter son bouclier. Donc RE. Vous avez plus votre bouclier. Donc vous voyez déjà qu'il est pratique parce que vous pouvez viser à travers. Bon bref. Et vous allez faire triangle. Et là vous voyez que le couteau va tourner sur lui-même. Là vous le refaites maintenant et ça ne marche plus. Et là vous vous dites mais qu'est-ce que c'est ça hein. Vous êtes dégoûté. Alors là c'est simple, il faut reprendre son bouclier, le reposer. Voilà. Et vous refaites triangle et ça remonte. Donc après en l'air ça donne ceci. Donc je vais vous montrer. Donc là j'ai oublié de tirer, super. Donc ouais, il faut savoir que ça fait très très longtemps que je n'ai pas joué à Call of Duty. Ah, je me suis encore fail. On va le reposer. On va et on tire. Voilà. Donc après imaginez que le mec il est n'importe où. Vous pouvez rajouter ça à un reload tir. Enfin vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qui est pas mal aussi, c'est le viseur laser. Donc je sais pas si vous le voyez là au bout de mon arme. Voilà, donc on le voit bien sur le. Donc ça c'est joli pour les killcam. Voilà, donc après. Voilà, donc vous, je vais vous le remonter, vous posez votre truc. Et vous tirez. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Essayez de tout faire en mid-air. Donc là c'est pas très très haut, c'est pas très pratique, mais bon, il y a de quoi faire. Vous avez bien vu, regardez. Tirez. Donc après, s'il y avait quelqu'un, bien sûr je tirais dessus, mais là bon, c'est dur de se repérer quand il n'y a personne en face. Voilà, donc. N'oubliez pas de regarder notre vidéo recrutement, donc mon roster, donc celui de Lianto et moi. Nous recrutons donc des trickshotters. Bien sûr, ça il faudra l'apprendre à le faire. Voilà, pour venir dans le nôtre. Donc on va faire plutôt tout ce qui est des petits trickshots pour les envoyer à Freestyle Replay. Voilà, donc si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me demander si vous voulez voir un tutoriel. Ceux qui sont déjà proposés sur la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Fashionably late, I'm last in. I play the cards, time to cash in. All the girls here is looking like Maxim. Movie star like, so it's lights, camera, action. So let me direct, only one word matters, so let's call it respect. I am locked in from the minute I walk in through the middle of the flow, so let's call it collect. Well, I don't need a game plan. I rock the club like a motherfucking caveman. I was praying for these bottles and models, but now I got them, so I'm chilling in the back saying amen. This is too much fun. You see, we finally start to get it like we should. Like you've been playing a lot of life, and it look like you just won. So when they see you and you're looking this good, everybody gon' swim.